Salut, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo. Donc cette vidéo va être sur une nurserie que j'ai faite. Donc c'est parti. Alors là c'est une caisse. Donc j'y ai fait dans une caisse pour les jouets. Normalement voilà, c'est pour les jouets. Donc c'est carré, voilà, c'est spacieux, c'est grand. En fait c'est pour des poussins, voilà. Donc je trouvais que c'était bien. Donc bah, j'ai pris ça, voilà, tout simplement. Donc là je l'ouvre et dedans donc comme vous voyez c'est assez spacieux, donc on a donc des morceaux de trucs de sopalin, voilà, tout simple quoi. Je sais pas comment on appelle ça, mais bon voilà, c'est pas grave, du carton. Donc une serviette simple, du papier toilette et du sopalin. Donc voilà. En dessous, il y a une serviette pour tenir chaud. Voilà, pour qu'il n'ait pas trop froid. Là, on a une prise pour mettre quelque part par là une lampe chauffante rouge. Et là, il y aura la paille. Voilà. Donc voilà, par ici. Hein, voilà. Bon, bah, c'était juste pour vous dire ça. Et du coup, je vous retrouve après. Vous avez pu le comprendre, je vais avoir des poussins, donc je ne sais pas trop quand, il faut que le temps un peu s'améliore et tout ça, tout ça. Mais pour l'instant, c'est parti sur la bonne voie parce qu'il y a de la neige, mais il y a beaucoup de soleil, donc c'est parti sur la bonne voie. La race de poussins, me demandez même pas, je ne sais pas, déjà je ne sais pas où on va les prendre, je ne sais pas comment ils vont être. Et sinon, si vous voulez que je vous fasse une vidéo je vous avais fait une vidéo comment voir si un œuf est fécondé, oui ou non. Et je vais vous montrer comment faire pour reconnaître un mâle ou une femelle chez les poussins. Parce qu'ils doivent bien les reconnaître, les gens, puisque dans les élevages, ils tuent les mâles. Oui, c'est très triste. Je déteste en fait. Je n'aime pas qu'on tue les animaux. Je crois que personne n'aime. Enfin, ceux qui sont pour le plaisir, ouais. Ils aiment, mais pas moi, non. Donc je déteste ça. Mais bon, voilà, c'est la vie, hein. On peut rien y faire, rien ne les stoppera. Enfin bref, du coup j'aurai deux poussins et sûrement 2 à 3 poules. Voilà. Donc ça dépend. Soit j'ai 3 poules et ça me fera 5 avec les 2 poussins. Soit j'ai 2 poules et ça me fera 4 avec les 2 poussins. Voilà, parce que je peux pas acheter un poussin, sinon il va se sentir tout seul. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Bye!